Cet homme est attaché au lit. La femme met son pied sur sa poitrine et le déplace lentement vers son visage. L'homme se débat, mais cela ne sert à rien. La femme s'agite de plus en plus et le gifle à plusieurs reprises. Elle le force ensuite à jouer à un jeu amusant avec elle et l'enregistre sur vidéo. Evan avait une famille heureuse. La famille vivait dans une grande villa. À l'origine, ils devaient aller à la plage, mais Evan avait du travail, alors il n'est pas venu avec eux. Après le départ de sa famille, il a commencé à travailler seul. Il pleut beaucoup la nuit. Deux jeunes filles perdues ont frappé à la porte d'Evan. Il a eu la gentillesse de les inviter à entrer et de les aider à mettre leurs serviettes. Evan voulait leur appeler un taxi, mais il s'est rendu compte que cela prendrait au moins 45 minutes, alors il leur a d'abord préparé deux tasses de café. Mais il ne s'attendait pas à ce que Belle et Janice allument le tourne-disque et commencent à danser. Ils se sont donc assis tous les trois. Les filles se sont montrées de plus en plus enthousiastes à l'égard d'Evan. Très vite, Evan s'est retrouvé seul avec Belle. Belle s'est rapprochée de plus en plus d'Evan, le taquinant. Au moment où Evan perdait pied, le téléphone a sonné. Le taxi est déjà là. Cette femme était sous la douche. Elle demande à l'homme de lui apporter ses vêtements. Evan a frappé à la porte, mais la femme n'a pas répondu. Il a dû se cacher les yeux avec sa main et ouvrir la porte. Mais Evan a été choqué par ce qu'il a vu devant lui. Les filles l'ont invité avec enthousiasme à les rejoindre sous la douche. Evan n'a pas pu se contrôler et a accepté. La voiture a attendu longtemps devant la porte et est partie quand personne n'est sorti. Evan se réveille le lendemain pour découvrir que les filles ont mis le désordre dans sa maison et détruit ses œuvres d'art. Evan se met en colère et les met à la porte. Mais dans la nuit, il est assommé par un bâton. Evan est ensuite attaché à une chaise et contraint de porter un casque audio. La femme augmente le volume. Evan se sentait malheureux. Finalement, il est poussé dans une fosse. Les filles ont décidé de l'enterrer vivant. Evan a supplié et supplié. Mais les filles n'allaient pas le laisser partir. Finalement, seule la tête d'Evan est restée au-dessus du sol. Belle a utilisé le compte d'Evan pour poster une vidéo d'eux jouant à un jeu ensemble. Evan était complètement dévasté. Après le départ des filles, il s'est efforcé d'appuyer sur l'écran. Evan a essayé de supprimer la vidéo, mais il a préféré appuyer sur le bouton « J'aime ». Heureusement, sa famille est revenue pour le sauver à la fin.